Hello, guys! Je dis, on vient parler nous de femmes enceintes, de grossesse en général. Est-ce que nous te connais que c'est pas en perdition fiancé, mais c'est plutôt une anormalie dans la grossesse là, qui est la grossesse non embryonnaire? Test grossesse là, t'es positif, fiancé, signe avec symptômes, t'es présent. Pourtant, dans la première sonographie, il n'y a pas remarqué rien du tout. Qui ça veut dire? Ça veut dire pas de grossesse encore. Qui ça passé? Qui ça qui a cause? Qui j'en ka reconnaître ça? Et qui traitement qui associé à ça? Eh bien, Leti a répondu avec seulement 4 grandes questions ça pour nous. Qui ça qui a une grossesse non embryonnaire? Je clair, les yeux clair ou bien une grossesse non embryonnaire? Avant de rentrer d'emblée dans le sujet, m'a fait un petit rappel sur qui ça qui grossesse. Normalement, nous parler de grossesse c'est lorsque gagne un rapport sexuel entre yon fille ak yon garçon et puis qui rencontre yon ovule que ça nous relé ovulant qui c'est yon partie dans appareil reproductif fiyan meté dehors dans moment ovulation. Ak ça nous relé spermatozoïde là qui c'est cellule reproductrice la caille garçon yo. Les ça yo fait yon appel, yo fait un seul donc yo fait un phénomène ça relé fécondation. Rencontre ovule ak spermatozoïde là, OK? Et puis ovule ça que spermatozoïde là li fécondé à nan trompe là de temps en temps a divisé jusqu'à ce que li forme yon embryon qui pral planter col en dedans matrice là. Donc nan ka yon je clair ou bien grossesse non embryonnaire, processus fécondation an li fait normalement, mais division an pa rive fait complètement. Donc, vin pa gen sa yore le embryon an, mais sac gestationnel an, ki se sac transparent ki toujou gen si bébé an dedans li an, li même li continue développé. Ki sa qui ka cause un phénomène comme ça. Jusqu'à présent, pour qu'on gagne une cause fixe ni tangible, mais gagne deux tiers dans sa yo qui associé à un problème chromosomique et l'autre tiers là li associé avec intoxication par un métal tant que plomb qui capable responsable malformation et spermatozoïde yo à placenta. Qui jan ou ka reconnaître ça? Normalement, nan yon grossesse gen an pil sin ki présent. Nan premier sonographie, ou apre présence yon je normal ou du moins embryon tan kou yon tache nan sac gestationnel. Nan moment sa embryon vivant et puis yon ka enregistré battement cœur la. Nous comprenons? Pourtant, nan ka yon je clair ou bien grossesse embryonnaire, ou après présence yon sac gestationnel qui mesurait environ 2 cm mais li vide. Ça veut dire pas gen embryon en dedans. Donc, pas gen aucun enregistrement de battement de cœur. Nan ka sa, gynécologue ou a voye fille fait yon deuxième sonographie pour capable confirmer si ça t'arrivait. Li gen dout toujours la voye l fè yon examen que yon rele gestatis. Yon examen que yon fè avec sang. Juste pour yon capable contrôler niveau yon hormone que yon rele ACG. Qui c'est hormone chorionique gonadotrope humaine. Nan sang, en fait, qui a indiqué si gen yon grossesse ou pas. Qui traitement qui associé avec anormalie ça. Normalement, depuis c'est 11 yeux clair ou grossesse non embryonnaire, li tombe pou kòl et puis qui pral bay li pral ban nou sa yo rele fausse couche là puis devant. Mais nan ka sa, si ça t'arrive fait, moun sa supposé subi yon intervention chirurgicale qui rele cutage. L'idée est faite par un gynécologue qui pral assurer toute poursuite légale et nécessaire. OK?
Et voilà, c'était petits amis nous netis sous TAC 609 qui c'est tout haïtien connecté, restez connecté avec Chanel là et une façon pour nous capable joindre toute prochaine rubrique yo. Moi dis merci déjà avec tout petits amis nous sous Chanel là et bon travail nous connait ça pour nous faire déjà qui c'est abonné avec Chanel là, une façon pour nous capable joindre toutes ces vidéos yo, j'aime ça dire là. Au revoir, à bientôt, bye bye.